à tous. Merci d'être présents ce matin pour parler de la santé environnementale au cœur des organisations. Donc, je suis Élodie Grimal, je suis conseillère en responsabilité sociétale des organisations, soit le développement durable appliqué à l'organisation et en santé environnementale. Et par ailleurs, je coordonne le projet Maternité éco-responsable, puisqu'on accompagne plusieurs maternités partout en France, mais aussi en Belgique. Donc, je vous rappelle les règles de fonctionnement. Donc, ce qui va se passer, c'est que on a coupé tous les micros. J'espère que vous les avez bien tous coupés, si des fois, puisque je vais faire une présentation pendant une vingtaine de minutes et ensuite, je serai disponible pour répondre à toutes vos questions. À ce moment-là, vous pouvez activer vos micros pour en discuter, pour discuter avec moi. Et sinon, aussi, vous avez la possibilité d'écrire dans le chat vos questions au fur et à mesure de ma présentation. Ça vous permettra comme ça de ne pas oublier les questions que vous vouliez me poser et que Fanny, qui est avec moi aujourd'hui, puisse après réguler ça et vous répondre peut-être à ce moment-là, ou alors on vous répondra à la fin aux questions que vous avez posées au fur et à mesure. Voilà. Donc, au sommaire de cette matinée, donc je vous rappelle que c'est dans le cadre des différents webinaires que l'on donne chaque semaine. Il va y avoir une pause en mois d'août et du coup, on reprendra en septembre pour de nouveaux sujets encore. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter quelques définitions. Le contexte de la santé environnementale de l'international au régional, comprendre les risques et comprendre les bénéfices. Au niveau des définitions, donc, il m'a semblé important de revenir sur la définition de la santé de base, état de complet de bien-être physique, mental et social qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Donc ça, c'était en 1948, comme vous voyez, par l'Organisation mondiale de la santé qui est adoptée donc, partout dans le monde maintenant. Et en fait, j'ai voulu aussi vous montrer que la santé, ce n'est pas simple, c'est quelque chose de complexe et que ce n'est pas lié seulement à une responsabilité individuelle, à une personne, mais le style de vie qu'elle va adopter, les réseaux sociaux dans lesquels elle va être intégrée, les communautés, mais aussi ses conditions de travail et l'environnement dans lequel elle sera, justement, agriculture et production de nourriture, les services de santé qu'il y aura autour d'elle, le logement, etc., mais aussi les conditions socio-économiques, culturelles et environnementales, c'est bien noté ici, dans lesquelles elle vivra. Ensuite, on a ce schéma que je trouve intéressant de l'INSEE qui fait le lien entre le développement durable et la santé. Donc, le développement durable, c'est un besoin de développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre les générations futures à répondre aux leurs. Et vous voyez que c'est un équilibre entre le social, l'économique et l'environnemental. Et là, est bien identifié ce qu'il en est de la santé environnementale, qui est donc le lien entre le social et l'environnement. Pour ce qui est de la définition de la santé environnementale, elle a été adoptée à la conférence d'Helsinki en 1994. Et vous verrez qu'elle est assez longue, donc on va la reprendre au fur et à mesure. Elle comprend les aspects de la santé humaine, y compris la qualité de la vie, qui sont déterminés par les facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques de notre environnement. Mais elle concerne également la politique et les pratiques de gestion, de résorption, de contrôle et de prévention des facteurs environnementaux susceptibles d'affecter la santé des générations actuelles et futures. Donc, vous voyez, par rapport à la définition de la santé, qui ne parlait pas du tout des générations futures, le grand changement par rapport à cette définition-là de la santé environnementale, c'est vraiment qu'on considère pas seulement la santé des générations actuelles, mais celle aussi des générations futures. Et on verra que toutes les actions qui peuvent être mises en place sont aussi pour les générations futures, et pas seulement pour les générations actuelles. C'est vraiment la première chose qu'il faut vraiment avoir en tête. Donc, au niveau du contexte de l'international au régional, on a d'abord, en fait, je trouve que c'est bien d'avoir en tête cette charte d'Ottawa qui a été adoptée en 1986 pour la promotion de la santé. Donc là, il y avait vraiment marqué « établir une politique publique saine » et renforcer l'action communautaire, développer les attitudes personnelles et créer des milieux favorables. Donc, quand on est une organisation, créer des milieux favorables, c'est ce qui concerne vraiment toute entreprise, association et organisation. Donc, la charte de l'environnement, donc l'article qui a été adopté et intégré à la Constitution française, en 2005.
Donc, l'article 1er dit « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ». Et l'article 2, toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement. Concernant en 2017, au niveau européen, donc, cette déclaration d'Ostrava a été faite avec les ministères des différents pays d'Europe. Et je pensais que c'était important de revenir dessus, puisque deux des sept domaines d'action, notamment, concernent l'amélioration de la qualité de l'air intérieur et extérieur, et l'atténuation au maximum des effets nocifs des produits chimiques sur la santé humaine et l'environnement. Et dans les objectifs, on a les achats durables, les systèmes de santé résilients face au changement climatique, la recherche et l'innovation, et aussi tenir compte du principe de précaution. On verra en suivant que c'est important de le faire pour certains sujets et certains polluants. Donc, au niveau national, le plan national santé-environnement, on en est au troisième. Le quatrième est en cours d'adoption et a été un peu retardé lié à la crise sanitaire actuelle. Donc, vous voyez que, en fait, la santé, on peut considérer le génome, mais l'exposome. L'exposome, c'est vraiment tout ce qui concerne l'épigénétique et comment, en fait, l'environnement peut avoir un impact sur notre développement. Le plan national santé-environnement, donc, est en lien avec ces exposomes, on y reviendra tout à l'heure. Et de là est décliné le plan régional santé environnement 3, que déclinent les agences régionales de santé. Donc, je vous conseille de vous rapprocher de vos agences régionales de santé et de voir quel plan régional ils ont adopté, puisque de toute façon, c'est toujours en lien avec le territoire. Et là, je vous ai mis l'exemple du Health-Truck qu'on a fait avec l'ARS Occitanie. Et donc, du coup, c'était des conseils et des sensibilisations à la santé environnementale. Et on passait, c'était des conseils itinérants de santé environnementale et on passait pour conseiller sur les différents sujets sur lesquels on va revenir tout à l'heure. Donc ça, ce n'est pas très rassurant, mais il me semblait que c'était important que vous ayez quelques chiffres pour comprendre un peu la problématique. Donc, 23% des décès dans le monde seraient liés à des causes environnementales. En France, c'est 14%. Les perturbateurs endocriniens, c'est le coût estimé de 157 milliards d'euros par an pour l'Union européenne. La pollution sonore, par exemple, coûte 57 milliards d'euros chaque année, dont 20 milliards imputés au bruit en milieu professionnel. Donc là, c'est les organisations, les entreprises, etc., sont largement concernées par cette problématique. En France, il y a une augmentation exponentielle des maladies chroniques. Plus de 20 millions de personnes sont concernées par les maladies chroniques aujourd'hui en France. 10 millions sont en affection de longue durée. Et pour les allergies, il y a près d'une personne sur trois qui est allergique. 32% des personnes le sont par voie cutanée, 60% par voie respiratoire et 8% par voie alimentaire. On va revenir maintenant sur les risques. Donc, comprendre les risques. Là, je vous ai fait un petit schéma explicatif, mais en fait, ce qu'il faut comprendre déjà sur les risques, c'est comment l'environnement va avoir un impact sur notre santé. Ben, c'est tout ce qu'on respire, ce qu'on ressent, ce qu'on sent, ce qu'on se met sur la peau, ce qu'on ingère, ce qu'on entend. Quand on parle des nuisances sonores, par exemple, c'est le cas. Donc, il faut vraiment avoir conscience de comment l'environnement nous touche directement et les polluants qui sont dedans. Donc, dans les polluants, j'ai relevé ceux sur lesquels on travaille pour aider les organisations à les réduire. Donc, on a les nuisances sonores, comme on disait tout à l'heure, les nanoparticules, les composés organiques volatiles qui polluent l'air intérieur. Je vous renvoie à la vidéo, au webinaire de ma collègue Marion Campion sur le sujet de la qualité de l'air intérieur. Tout ce qui est cancérogène, mutagène, reprotoxique, qui sont souvent dans les produits chimiques que l'on utilise, dans les produits cosmétiques, etc., peuvent être les perturbateurs endocriniens et les champs électromagnétiques. Donc, ce qui concerne les champs électromagnétiques, comme on disait tout à l'heure pour la déclaration d'Ostrava, c'est tout ce qui concerne le principe de précaution. On n'a pas exactement de preuves précises, mais on sait qu'il y a des risques potentiels. Et donc, pareil que pour les nanoparticules, on est sur le principe de précaution. Où est-ce qu'on va trouver tous ces polluants ? Donc là, je vous ai fait un schéma où on montre toutes les sources possibles de ces polluants. Donc, on va voir pour les perturbateurs endocriniens. Vous voyez qu'à ce jour, dans ce schéma, il y a noté 500 perturbateurs endocriniens identifiés.
mais on fait référence à à la TEDxLix, par exemple. Quand on fait des analyses, on va se référencer à cette TEDxLix où il y a 1000 perturbateurs endocriniens potentiels référencés. Du coup, on peut les retrouver donc, dans les contenants alimentaires, donc les poils par exemple, tout ce qui est phtalate dans les dispositifs médicaux, mais aussi dans les cosmétiques, dans les produits chimiques, dans les crèmes solaires par exemple, et bien sûr, c'est tout ce qui est pesticides. Là, dernièrement, on entendait que dans l'Aude, il y avait un lieu où on ne pouvait plus consommer l'eau parce que du coup, on retrouvait des pesticides dans cette eau. Qui était interdit depuis 2018, mais qu'on retrouvait encore. Donc, c'est un exemple concret de ce qui peut se passer avec ces perturbateurs endocriniens. Du coup, on a les différentes sources. Pour les champs électromagnétiques, par exemple, je vous ai mis une lampe branchée, mais aussi le téléphone portable. Les téléphones portables sont aussi mis parce qu'on retrouve des nanoparticules dans la fabrication de ces téléphones portables, ainsi que dans les imprimantes, par exemple. On va les retrouver aussi, ces nanoparticules, dans les bonbons, dans l'alimentation, mais aussi dans les vêtements, en plus de ce qu'on peut retrouver comme composés chimiques. Là, je vous ai mis des produits chimiques aussi dans lesquels on peut retrouver tous ces polluants. Donc là, vous voyez les symboles, je vous en ai mis que trois en exemple, corrosif, poison mortel. Là, c'était les schémas pour le formaldéhyde, par exemple, qu'on retrouve comme colle dans les produits d'ameublement. Et ça, c'est cancérogène, mutagène, reprotoxique. On entend un bruit. Je vais voir pour éteindre. Et voilà, c'est bon. Excusez-moi. Du coup, on retrouve aussi bien sûr dans les vaporisateurs, mais on le retrouve aussi là où on a une bouteille d'eau plastique parce qu'il peut y avoir un transfert du contenant vers le contenu. Et on le retrouve dans tout ce qui est produit de rénovation, comme les peintures, par exemple, les colles, mais aussi tout ce qui est produit d'art décoratif, par exemple, ou les feutres, etc. Dans le papier, pour les encres. Et bien sûr, le gros travail qu'on peut être amené à faire, c'est travailler sur les cosmétiques, les savons, etc. Donc, quels sont les risques? Donc, il y a d'abord les risques aigus, les maux de tête, les troubles digestifs, les troubles respiratoires, les irritations. Mais surtout, quand on travaille là-dessus, comme on vous le disait, c'est vraiment travailler pour les générations actuelles, mais aussi futures. Parce qu'on peut voir qu'il y a jusqu'aux troubles de la reproduction et pour les perturbateurs endocriniens, on peut être jusqu'à la quatrième génération touchée, prouvée scientifiquement. Donc vraiment, on travaille aussi là-dessus. Et tout ce qui est maladies chroniques, comme les maladies cardiovasculaires, les maladies métaboliques, l'obésité, le diabète, les troubles du système nerveux et les cancers. Les cancers hormonaux, par exemple, pour les perturbateurs endocriniens, comme le cancer de la prostate ou le cancer du sein. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Donc, il me semblait important de revenir là-dessus. La première chose à faire, c'est identifier, chercher, en fait, là où, dans notre environnement, dans l'environnement de l'organisation, au niveau des achats, de ce qui est utilisé au quotidien et de comment c'est utilisé, qu'est-ce qui pourrait être réduit en fait, pour avoir des actions de prévention en santé environnementale. Ensuite, il faut sensibiliser les personnes. C'est important qu'elles prennent conscience des risques, de ce qui se passe autour d'elles et de l'impact de leur environnement sur leur santé. L'important aussi, c'est d'en discuter ensemble, de voir quelles sont les meilleures actions à mettre ensemble. Parce que pour nous, le plus important, c'est vraiment, vraiment, pas seulement l'intelligence collective à développer, mais c'est l'action collective. Et que tout le monde adhère à des actions pour que le maximum de personnes soient touchées dans les actions qui puissent être faites et que tout le monde comprenne bien les enjeux. Donc là, je vous ai mis des sites de référence pour aller plus loin, comme le site Agir pour bébé, par exemple, qui donne les actions concrètes qu'on peut mettre en place. L'INRS, donc là, je vous ai mis le lien pour les champs électromagnétiques, mais il y a plein de liens possibles aussi pour les produits chimiques, etc. Et là, je vous ai mis l'exemple des actions qui peuvent être faites, qui ont été faites dans les maternités qu'on accompagne, différentes actions, une vidéo collective à ce sujet. Et là, je vous ai mis cette photo pour vous dire une des actions, par exemple, de base qui peut être faite sans modifier grand-chose finalement à son organisation,
C'est, étant donné que l'air intérieur est jusqu'à 8 fois plus pollué que l'air extérieur, eh ben, aérer 15 minutes deux fois par jour. Donc, même si des fois, quand on commence à creuser le sujet et qu'on s'intéresse à tout ce qui se passe, on se dit qu'il y a énormément de choses à faire, et c'est le cas, on peut se dire aussi qu'il y a des actions simples à mettre en place très rapidement pour préserver la santé de tous. À ce sujet, il m'a semblé important, en faisant le tour de la compréhension sur la santé environnementale, de bien comprendre que la santé, c'est quelque chose de complexe. La santé environnementale intègre encore plus de complexité à ce sujet-là, mais qu'il y avait des façons aussi de vivre et de faire et d'agir pour prévenir ça et être en bonne santé aussi et se prémunir de ces polluants environnementaux. Donc, comme on le voyait dans les déterminants de santé. Donc, pour moi, le plus important, enfin, pour ce qui nous semble être le plus important, c'est de bien se nourrir. Donc, l'alimentation, que ton aliment soit ta première médecine, disait déjà Hippocrate il y a fort longtemps. Et par exemple, des actions concrètes qui peuvent être mises en place, c'est des actions comme on a à l'agence, une fois par semaine, on a une livraison de fruits bio, locaux, de saison. Et du coup, c'est un facteur favorable à la santé. Là, je vous ai mis aussi le schéma des dernières recommandations de l'ANSES sur l'alimentation. Donc, on voit par exemple qu'il y a des nouvelles recommandations qui ne sont pas forcément encore adoptées dans la restauration collective ou dans les repas qu'on fait à l'heure actuelle, mais qui sont importantes à intégrer aussi comme facteur de santé. On parle aussi de comprendre les bénéfices. Dans le bien-être physique, il est important aussi de faire le lien avec le corps et d'être en forme physiquement. Donc, le site du Programme national nutrition santé Manger Bouger recommande au moins 30 minutes d'activité physique dynamique par jour. Donc là, je vous ai mis des exemples. Ça, on peut très bien, on voit par exemple des organisations qui commencent à mettre en place des salles de sport pour leurs salariés, mais aussi des salles de détente. Et c'est des lieux intéressants aussi pour pouvoir se ressourcer. Ensuite, comme la définition de la santé environnementale parlait du bien-être psychosocial et social, je trouvais que c'était intéressant de revenir en fait aux liens qui peuvent être faits. Et l'OMS a édicté les 10 compétences psychosociales clés pour bien communiquer avec les autres. Avoir confiance en soi, avoir de l'empathie pour les autres, savoir gérer ses émotions, savoir gérer son stress, savoir communiquer efficacement, être habile dans ses relations, savoir résoudre les problèmes, savoir prendre des décisions, avoir une pensée critique et avoir une pensée créative. Et c'est ce qu'on remarque notamment, surtout sur la pensée créative, quand on reprend tous les risques, etc. Et ben, c'est vraiment innover, rechercher, voir comment trouver des substitutions pour satisfaire le plus grand nombre et les préserver la santé de tous. Enfin, pour faire le lien vraiment santé-environnement, il m'a semblé important de revenir sur profiter des bienfaits de l'environnement naturel. Donc, de plus en plus, on est là-dessus. C'était la 10e action phare du plan national santé-environnement, de revenir sur les jardins thérapeutiques, par exemple. Et on sait que, en fait, d'être en contact avec l'environnement naturel est un facteur de bien-être. Là, je vous ai mis, par exemple, la photo du jardin d'hier, de notre agence, donc en direct. Donc, on sait que c'est des facteurs favorables pour la santé et le bien-être des collaborateurs. Et aussi, je vous ai mis l'exemple de la sylvothérapie qui est vraiment adoptée au Japon, par exemple, où on favorise le fait que pendant les pauses déjeuner, par exemple, les Japonais aillent dans les parcs pour déjeuner et profiter des bienfaits de la nature. Sylvo, c'est pour les arbres. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis cette photo en exemple. Mais vous dire que vraiment, là, c'est un facteur qui va rejoindre aussi le développement durable sur la question de la biodiversité, mais aussi sur la santé environnementale, puisqu'on sait que c'est un facteur de bien-être. Voilà, j'ai fait le tour, ça a été rapide. C'était vraiment pour que vous ayez une vue d'ensemble sur la question de la santé environnementale. Maintenant, je suis prête à répondre à vos questions. Donc, voilà. Merci pour votre écoute.
Ouais, hello. Oui. Moi, j'aurais une question. Opérationnellement, quelles sont les grandes actions que tu as pu observer sur des établissements, des belles actions remarquables où on arrive à avoir de belles avancées? Je pense notamment à la maternité ou en santé environnementale, il y a beaucoup de choses à explorer. Oui, tout à fait. Ben, par exemple, c'est ce que je vous montrais quand je vous disais que j'avais fait le lien sur la vidéo. Eh bien, en fait, on a fait un diagnostic de santé environnementale, donc vraiment très précis sur toute l'exposition aux risques chimiques possibles et aux autres facteurs de santé environnementale. Et ensuite, on a petit à petit mis en place des actions avec tout le monde, comme je vous le disais, avec des sensibilisations, etc., pour, par exemple, changer le savon. Donc, on a changé les savons pour bébés. Mais aussi, on a pu changer les produits des nettoyages tout en respectant, bien sûr, la gestion des risques. Par exemple, on a fait le nettoyage des sols à la microfibre sans produit. Voilà. C'est des exemples d'actions concrètes qui ont pu être faites dans les maternités, mais on a aussi d'autres exemples par ailleurs. Est-ce que d'autres... Merci. Est-ce que d'autres personnes... Oui, bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir si vous avez des actions particulières, parce qu'on parle souvent de la période des 1000 jours en santé environnementale, de la femme enceinte, le jeune enfant, mais est-ce que vous avez des actions ou est-ce qu'il y a des choses envisagées pour les personnes de plus de 65 ans? Eh bien, par exemple, je vous parlais Merci. tout à l'heure. Oui. Oui, tout à fait. On peut faire, là, par exemple, je vous ai mis ces photos-là, mais aussi j'aurais pu vous mettre une photo d'un jardin thérapeutique qu'on peut faire dans les maisons de retraite, par exemple. Donc, c'est tout à fait possible de faire des choses de prévention en santé environnementale dans ces lieux-là. Mais aussi, on sait que la qualité de l'air intérieur, c'est très important de la préserver parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des pneumopathies, en fait. Des études, l'étude GERES, je pense, par exemple, a été faite et a montré qu'il y avait une augmentation des pneumopathies selon la qualité de l'air intérieur. Donc, c'est limiter les vaporisateurs, veiller à une bonne aération des locaux, à une bonne ventilation des locaux et aussi... De veiller à ne pas mettre trop de produits chimiques et à veiller surtout aux produits et à la qualité des produits chimiques qu'on peut utiliser. Donc, c'est pareil D'accord, pour les merci. personnes de 65 ans. Et on se rend compte aussi que comme les bébés, ils ont une peau très fragile, les personnes âgées, et on peut aussi remettre en question les cosmétiques utilisés. Donc, on a fait des actions aussi où on a changé, par exemple, les savons qui pouvaient être utilisés pour les personnes âgées. Et on se rend compte en plus à ce moment-là qu'il y a moins de produits comme des crèmes, etc., qui peuvent être utilisés en plus en suivant. D'accord, merci. Avec plaisir. Le parcours sportif aussi devient à la mode sur les EHPAD. Oui, c'est ça Vous pour parlez de l'activité l'activité physique. physique. Oui, tout à fait. Et C'est très intéressant aussi parce que c'est valable pour tout le monde, l'activité physique. ouais, ça commence à être quand même. Il y a une prise de conscience dessus parce que les personnes âgées bougent très peu. Mais ne serait-ce que sortir, permettre un petit parcours pour pouvoir sortir pendant 30 minutes. Déjà Il y a bien. des petites actions toutes simples comme ça à faire, avec un petit parcours center ou des choses comme ça, qui vont dans le sens de la santé environnementale. Tout à fait. Je dirais qu'il y a pas mal d'actions qui sont faites effectivement au niveau des EHPAD, mais moi j'entends par personnes âgées ceux aussi qui sont peut-être en perte d'autonomie, mais qui sont encore à domicile ou enfin qui ne sont pas en structure, je veux dire. Ben là, il y a tout un travail à faire justement dans les organisations. C'est aussi pour ça qu'on voulait parler de ça. Et on encourage aussi les hôpitaux à travailler avec les parties prenantes externes et à sensibiliser les personnes extérieures à l'hôpital pour que les messages se diffusent. Et donc là, par exemple, quand vous parlez des personnes âgées à domicile, eh ben, ceux qu'il faut sensibiliser, c'est tous ceux qui vont s'en occuper. Donc toutes les personnes qui sont les aides ménagères, on a des exemples de lieux où ils ont fait des petits livrets pour expliquer les produits chimiques, les changements possibles, etc., les produits cosmétiques qui peuvent être utilisés. Donc les infirmières libérales sont aussi concernées par ces choses-là. Donc toutes les structures extérieures, effectivement, peuvent être aussi sensibilisées pour mettre en place des actions pour prévenir la santé des personnes âgées aussi. Des conseils d'aérer 15 minutes deux fois par jour.
Ça peut être des actions qui peuvent être mises en place par les aides à domicile, mais aussi qui peuvent être conseillées aux personnes âgées pour préserver leur santé. D'accord. Je n'ai pas regardé le fil, Fanny. Est-ce que... Alors, on vient juste d'avoir une question, une remarque, je pense, dans le chat de Madame Poderguillou qui dit « Je travaille avec une ADMR sur le sujet du nettoyage écologique en Finistère. » Et elle nous dit que les aides sont bien impliquées. Je pense que les aides ménagères, je pense que c'est ça le... Oui, tout à fait. Elles sont vraiment partantes dans l'aventure parce qu'elles se rendent compte que leur santé se fragilise d'année en année. Et on avait animé avec notre structure des ateliers communs avec les aides à domicile et les personnes aidées. On avait passé un bon moment d'échange et c'était chouette. Donc on essaie de faire bouger un petit peu les choses petit à petit. C'est aussi une volonté des structures aidantes de le faire. Super, ben vous donnez là exactement la preuve de ce que j'étais en train de dire, que c'est possible tout à fait le faire. Pour tous. Petite touche par petite touche, on va y arriver, il faut de la patience. Ah oui, alors vraiment, ce qui concerne la santé environnementale, c'est qu'une fois qu'on y a mis le nez dedans, il faut bien savoir que c'est vraiment la politique du petit pas. C'est ça. Et vraiment de faire action par action et petit à petit, vraiment c'est tout un grand travail et c'est pour ça qu'il m'a semblé important de revenir dessus quand je mettais ce schéma-là, c'est vraiment de sensibiliser, de faire comprendre les enjeux aux personnes pour que tout le monde, enfin le plus grand nombre en tout cas, adhère à ce qui se passe. Et souvent, en fait, quand il s'agit de se dire qu'on préserve notre santé, celle de nos enfants, celle de nos proches, ben, de toute façon, les personnes comprennent vite l'enjeu. Tout à fait. Merci. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, il n'y avait pas d'autres questions dans le chat. Bon, d'accord. Eh bien, très bien, on a pu respecter le timing. Il est 11h59. Donc, Olivier, merci. Remarque du coup, qui est suite au Ségur de la santé, les ARS doivent animer la santé environnementale dans les territoires. Ok, donc ça, c'est une information importante aussi. Tout à fait. Merci. En même temps, on sait que le plan national de santé environnementale voilà, dit des choses. Après, ce que font les ARS, j'ai la chance d'être en Île-de-France et d'avoir une ARS qui, au niveau santé environnementale, ne bouge pas, ou très très peu, ou pas grand-chose. Donc, effectivement, on verra ce que ça donne pour le quatrième plan. C'est ça. Après, toutes les ARS, de toute façon, ont décliné un plan régional santé-environnement. Donc, certaines ont décidé les axer sur certains sujets et puis d'autres sur d'autres. Il y en a qui ont décidé de plus l'axer et le mettre en lien avec l'éducation au développement durable, par exemple. Mais il y en a d'autres qui ont choisi de faire autrement. Et après, je pense que c'est important aussi, et c'est pour ça de se mettre en lien avec les pôles santé publique de vos ARS pour leur dire que vous êtes prêts à faire des actions et de voir avec eux comment ils peuvent vous aider à travailler et les mettre en œuvre. Nous, on travaille beaucoup avec l'ARS Nouvelle-Aquitaine, par exemple, pour les maternités, qui est très active à ce sujet parce qu'ils ont mis en place une stratégie régionale petite enfance de prévention et de promotion en santé environnementale. Mais ils avaient décidé de l'axer là-dessus, mais ils l'ont aussi axé sur l'agriculture et la réduction des pesticides dans les vignes, par exemple. Donc, ça dépend vraiment de... Voilà, ils sont très actifs. Des objectifs, tout à fait. Je voudrais me permettre de vous lire un petit article très court du Ségur parce que c'est symboliquement très important parce qu'il y a eu deux dossiers sur le Ségur qui sont sortis. Il y a eu un dossier de presse d'une quarantaine de pages que les gens ont lu, puis il y a eu le dossier de Ségur qui fait 200 pages que peu de gens ont lu. Et dans le dossier de presse, on ne fait pas état de la phrase que je vais vous citer, mais elle est majeure puisque le chapitre, c'est repositionner les agences régionales de santé. Donc, ce n'est pas anodin, hein, c'est vraiment le repositionnement et notamment au niveau des territoires. Je vous lis la phrase très courte. La promotion de la santé intégrant une dimension systémique, territoriale, transversale et pluriprofessionnelle qui va de la prévention aux soins et à l'accompagnement en intégrant la veille et la sécurité sanitaire et la santé environnementale doivent être au cœur des actions des ARS. Ça, c'est quand même très nouveau parce que, en effet, le PNSE, on peut se plaindre que dans certaines régions, il n'ait pas été bien mis en œuvre et à juste titre, notamment en Île-de-France. Mais ce n'était pas forcément dans les feuilles de route des ARS. Maintenant, c'est inscrit dans les feuilles de route de l'ARS et je pense que ce sera un tournant. Et on a intérêt pour tous ceux qui veulent travailler sur ces sujets à ressortir cette phrase en boucle parce que ça fait partie de la fiche de fonction de nos directions d'agence régionale. Très
Très bien, merci. Pas d'autres questions dans le chat, du coup, c'est bon? C'est tout bon, Elodie. Merci, Elodie. Très bien. Merci à vous tous de votre participation. Je vous souhaite un bel été. Et on revient du coup le 4 septembre, je pense, pour le prochain webinaire. Parce qu'on fait une pause pour le mois d'août. C'est ça, le 4 septembre. Bonjour à tout le monde. Merci, bonne vacances. Merci. Au revoir. Beaucoup. Au revoir. Au revoir, merci.